Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Je suis le docteur Jean-Marc Gornet, je suis gastro-entérologue et oncologue digestif dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Louis, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, une pathologie extrêmement fréquente et potentiellement grave, le cancer du côlon. Pour discuter de ce sujet avec moi, je vous présente Madame Isabelle Girard, patiente qui a été traitée dans notre service il y a de cela quelques années maintenant. Quelle année, pouvez-vous nous préciser ? 2001. Et le docteur Munoz Bongrand, qui est donc chirurgien dans le service de chirurgie digestive de l'hôpital Saint-Louis. Bonjour. Alors, avant toute chose, comme vous le savez, le cancer est une pathologie extrêmement fréquente. Quelques chiffres. L'incidence du cancer augmente de façon importante en France, en partie en raison de l'âge. Et le cancer du côlon reste l'une des pathologies les plus fréquentes, puisqu'en France, c'est la deuxième cause de cancer, avec près de 40 000 nouveaux cas de cancer par an. Et une mortalité, malheureusement, qui reste forte, puisque près de 20 000 patients par an décèdent de cette pathologie. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous dire comment s'est révélée cette maladie ? Eh bien, fin de l'année 2000, j'ai eu des symptômes qui étaient très particuliers, à savoir des saignements qui n'étaient pas d'ordre gynécologique. Donc au bout de deux ou trois fréquences, j'ai décidé de consulter un gastro-entérologue en ville qui m'a dit que ce n'était pas un problème d'hémorroïdes ou quelque chose d'assez banal et qu'il fallait très rapidement envisager une opération. Et elle s'est mise en contact avec le service de chirurgie de l'hôpital Saint-Louis, le professeur Sarfati et le docteur Munoz. Et en fait, je ne suis pas passée par le service de gastro-entérologie à Saint-Louis tout de suite, mais je vous ai rencontré après. Donc la maladie s'est révélée par du sang dans les selles. Oui, tout à fait. J'avais essentiellement, dans les 2-3 années d'avant, parce que j'étais relativement jeune, des symptômes qu'a posteriori on aurait pu effectivement considérer comme bizarres, à savoir de la fatigue récurrente. Les 2 années d'avant, malgré les vacances, etc., je ne récupérais pas. Quelques éléments aussi qui étaient de l'ordre de l'absence de fixation de fer. Mais bon, chez une femme, c'est assez souvent associé à des problèmes gynécologiques. Donc finalement, à 38 ans, je ne me suis pas du tout inquiétée. Et j'ai laissé les problèmes ponctuels, parfois de constipation ou de diarrhée, qui apparaissaient, disparaissaient sans raison bien précise, passer. Et puis, au niveau quand les saignements sont apparus, là, je me suis un peu plus inquiétée. Donc, pour ce résumé, vous ne vous sentiez pas en si mauvaise forme au moment du diagnostic de la maladie ? Non, du tout. Donc, ça, c'est une grande particularité de cette maladie, puisque les symptômes du cancer du côlon ne sont pas très spécifiques. Le sang dans les selles est un symptôme d'alerte habituellement à prendre en considération chez les gens de plus de 50 ans, mais les symptômes peuvent être également non spécifiques, à type de douleur ou d'alternance diarrhée-constipation. Donc le message, il est vraiment important. En cas de persistance de symptômes digestifs chroniques, principalement chez un sujet de plus de 50 ans, il faut consulter, évidemment, son médecin généraliste de première intention, qui va vous orienter vers un médecin spécialiste pour des explorations complémentaires. Le diagnostic de cancer du côlon a été fait par coloscopie. Oui, tout à fait. D'accord. En décembre 2000. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens simplement comment se passe la coloscopie ? Oh, c'est un examen relativement simple, sous anesthésie courte, générale mais courte. Et on rentre le matin en hospitalisation 2 jours. Je crois que ça dure grosso modo 1/4 d'heure, 20 minutes. Et puis on ressort l'après-midi. Sans problème particulier. C'est vrai que moi, quand le problème a été découvert par le gastro-entérologue que j'ai vu à l'époque, j'ai été faire cet examen sans vraiment connaître les conséquences et les risques. Après
avec le suivi qu'on a fait, j'en ai eu plusieurs, et c'est un examen relativement simple et peu douloureux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de symptômes compliqués ensuite, quoi. D'accord. Donc, Jacques, je crois que c'est un point tout à fait fondamental. Le dépistage du cancer du côlon se fait par la coloscopie, hein, qui est un examen qui, en France, hein, se fait effectivement habituellement sous anesthésie générale. Ce qui est souvent désagréable pour les patients, c'est la prise de la purge, puisqu'il faut que le côlon soit propre. Hein. Opération inverse. Mais c'est un examen qui permet, de façon absolument bien documentée, de diminuer ce qu'on appelle l'incidence, hein, le nombre de nouveaux cas, et la mortalité par cancer du côlon, en permettant de dépister ce qu'on appelle, nous, des polypes, hein, et de pouvoir les enlever en coloscopie, ce qui permet de prévenir la dégénérescence ultérieure en cancer. Alors, docteur Munoz, on va peut-être montrer brièvement un schéma du côlon. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots l'anatomie de cet organe? Alors, le côlon, c'est ce qu'on appelle plus communément le gros intestin. Il y a l'intestin grêle qui est fin et long, qui mesure à peu près 4 mètres. Et ensuite arrive le côlon, le gros intestin, avec trois parties. Le côlon ascendant, on voit sur le schéma, le côlon droit dit ascendant, le côlon transverse et le côlon gauche qui se termine au rectum. Le plus fréquemment, ce sont des cancers du côlon droit ou du côlon sigmoïde. Ce sont des organes qui sont dont la chirurgie est extrêmement codifiée, on y reviendra tout à l'heure, si tu le veux. Le côlon est un organe important pour ce qui est de la réabsorption de l'eau et de la constitution du transit. Mais on peut très bien vivre sans côlon, sans en tout cas une partie, la moitié du côlon. On vit sans aucune difficulté, sans régime particulier et sans contrainte particulière. On peut travailler, on peut vivre sans problème, sans ça. Donc ce n'est pas un organe indispensable à la vie comme peut l'être par exemple le foie ou le cœur, etc. Ce qui nous permet d'avoir une chirurgie assez radicale. D'accord. Donc une fois le diagnostic de cancer du côlon fait, on fait ce qu'on appelle un bilan d'extension, ce qui est tout à fait habituel en matière de cancérologie, qui repose principalement sur un scanner thoraco-abdominopelvien, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de métastase en dehors du côlon, et un bilan sanguin complémentaire. Alors Isabelle, vous aviez une tumeur localisée, qui a donc été opérée, c'est le traitement de première intention en cas de tumeur localisée, par le docteur Munoz. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le principe d'une chirurgie de cette tumeur? Alors, comme tu le disais, effectivement, la chirurgie est une étape capitale puisque c'est pour l'instant elle seule qui va nous permettre d'obtenir la guérison du malade. Si on ne peut pas opérer le malade, parce qu'il n'est pas capable de supporter l'opération, parce que la maladie est trop évoluée, etc., on ne pourra pas envisager une guérison. Donc la chirurgie est vraiment l'étape clé dans la guérison du patient. La chirurgie du cancer du côlon est une chirurgie qui est extrêmement codifiée. Ça se fait depuis des décennies et des décennies, et depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années, ça se fait sous célioscopie. Sous célioscopie, c'est une chirurgie donc où le patient est endormi et on rentre dans l'abdomen une caméra, des petites pinces qui nous permettent de disséquer le côlon. Et d'enlever la tumeur. On dit qu'il s'agit d'une chirurgie carcinologique parce qu'on enlève non seulement la tumeur, mais qu'on enlève également autour de la tumeur les ganglions qui sont avoisinants. Et c'est l'analyse de cette tumeur et des ganglions par la suite qui nous permettra de savoir si le cancer est agressif, s'il y a besoin de traitements complémentaires comme une chimio, etc. Cette chirurgie donc se fait maintenant sous célioscopie. À l'époque où on a opéré Madame Girard, on en était au balbutiement de cette technique. Maintenant, c'est le cas pour plus de 80% des patients qui sont opérés sous célioscopie. C'est une chirurgie dont on a très nettement diminué la morbidité et la mortalité. Par la célioscopie, les malades peuvent maintenant sortir très rapidement de l'hôpital, c'est-à-dire qu'après une chirurgie du côlon droit ou du côlon gauche sous célio, on peut envisager une sortie au cinquième ou sixième jour post-opératoire. C'était beaucoup plus longtemps, il y a 15 ans. Les patients récupèrent plus vite, les douleurs post-opératoires sont moins importantes, et le résultat carcinologique, parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit, le résultat carcinologique est aussi bon qu'à l'époque où on faisait des grandes cicatrices sur l'abdomen. Donc,
Ça a été une découverte française, la celluloscopie, à la fin des années 90, mais c'est quelque chose qui a radicalement changé la qualité de vie des patients dans la chirurgie. Donc la qualité de vie des patients après cette opération oui. est le plus souvent bonne. Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur une chirurgie un peu plus particulière, qui est celle du rectum, qui est une région anatomique qui est plus difficile. Quelles sont les différences par rapport à une chirurgie du côlon? Alors, quand on opère un patient pour un cancer du côlon, dans l'immense majorité des cas, il n'est pas nécessaire de faire de stomie. C'est une des premières craintes des patients. Les patients se renseignent maintenant très facilement sur Internet ou dans les journaux. Tu peux nous préciser ce que c'est qu'une stomie, parce que c'est un terme qui n'est pas très familier pour les gens. Les patients se renseignent et une de leurs premières craintes quand ils viennent en consultation, c'est est-ce que je vais avoir un anus artificiel, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans le langage courant, c'est-à-dire une dérivation des selles à la paroi abdominale. Dans la chirurgie des cancers du côlon, dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas d'anus artificiel. Dans la chirurgie du rectum, c'est une chirurgie d'une région qui est un peu plus difficile d'accès, avec des coutures qui sont plus difficiles à faire, des risques d'abcès qui sont un peu plus importants. Donc, dans la chirurgie du rectum, on a un peu plus tendance à faire une dérivation des selles, un anus artificiel temporaire. En général, c'est 2 à 3 mois, le temps que tout cicatrise bien et que le patient puisse récupérer de l'opération. Et cette stomie, cette dérivation temporaire, on l'enlève au bout de 2 à 3 mois par une opération qui est beaucoup plus courte, qui dure 45 minutes. D'accord. Est-ce que les séquelles de cette opération sont potentiellement plus importantes? C'est un peu plus lourd en termes de qualité du transit. Les patients ont un peu plus de difficultés à avoir un transit régulier, aller à la selle par exemple tous les jours après chirurgie des cancers du rectum. Pour ce qui est des cancers du côlon, c'est quelque chose qui s'efface assez rapidement avec le temps et les gens retrouvent leur vie telle qu'ils l'avaient avant dans l'immense majorité des cas. Ils remangent, ils ressortent en famille, en société, ils reviennent au travail. Pour les cancers du rectum, c'est un peu plus compliqué, mais on finit par y arriver. D'accord. Alors y a-t-il des... Si je comprends bien, la qualité de vie des patients après chirurgie est le plus souvent bonne. Si la tumeur est localisée, c'est le principal geste pour guérir les malades. Oui. Dans quelle situation, finalement, est-ce qu'on va faire ce geste mutilant que craignent les malades, c'est-à-dire cette fameuse poche définitive? Alors, dans quelle situation on va faire cette grande opération en incisant par le milieu? Alors, on peut être amené à faire donc une poche transitoire, temporaire, pour des questions de cicatrisation. Et c'est le plus souvent le cas, exceptionnellement, effectivement, de plus en plus rarement, on arrive à faire des poches définitives quand il s'agit de cancer du très bas rectum, c'est-à-dire quand le cancer envahit ou est très proche du sphincter anal. Ce sont des situations dans lesquelles on se trouve de moins en moins fréquemment maintenant, puisqu'on a d'autres armes thérapeutiques qui nous permettent de diminuer la taille du cancer, en particulier les rayons et la chimio avant la chirurgie. Donc c'est vraiment des situations dans lesquelles on se trouve de moins en moins souvent. L'autre situation qui peut se produire est la situation d'une intervention en urgence. Par exemple, le patient, comme le disait Mme Gérard tout à l'heure, le patient n'a pas été alarmé par certains de ses symptômes et a laissé traîner les choses et arrive malheureusement, par exemple, en occlusion aux urgences. Là, on peut être amené à faire une stomie, une dérivation des selles, de façon temporaire là aussi, mais on est un peu plus souvent contraint dans ce genre-là. Donc effectivement, il faut bien expliquer aux patients que s'ils ont des symptômes comme ceux que mentionnait Mme Gérard tout à l'heure, des troubles du transit, des saignements, ne pas laisser traîner les choses. Alors, la tumeur qui est derrière, donc c'est sur une pièce ouverte. On a enlevé le segment de côlon qui porte la tumeur. On l'a enlevé et à la fin de l'opération, on ouvre pour vérifier qu'on a bien tout enlevé. Et effectivement, on se trouve ici avec du côlon, donc, et avec une muqueuse qui est rose, qui est saine. Et au milieu de cette muqueuse, c'est une espèce de grosse lésion qu'on appelle bourgeonnante, hein, puisqu'il y a plusieurs bourgeons comme ça tumoraux ulcérés. Puisqu'elle est à des endroits un peu creuses et surtout saignotante, hémorragique. C'est un aspect, celui qu'on voit sur cette photo, très typique de cancer colique. Très bien. Docteur Munoz, je vous remercie. C'est moi. C'est donc l'arme secrète du cancérologue, puisqu'il guérit les malades qui ont une tumeur localisée. Alors, je vais maintenant... Merci Nicolas. Je vais appeler auprès de moi Christelle Chotard, qui est donc... infirmière coordinatrice en cancérologie dans notre service.
J'insiste à nouveau sur l'intérêt du dépistage. Et là, on peut voir derrière moi donc une vue de polype, et donc insister sur le fait que avant ce stade chirurgical dont le docteur Munoz a parfaitement parlé, eh bien le gastro-entérologue peut, par coloscopie, enlever ces fameux polypes par diverses techniques. Celle qui est derrière moi, c'est une technique tout à fait standard où on va sectionner à l'aide de ce qu'on appelle nous du nance diathermique, un espèce de lasso avec un courant électrique, ces polypes, et prévenir ainsi leur dégénérescence en cancer. Ici, là encore, une vision cette fois-ci par voie endoscopique et non sur une pièce opératoire comme on l'a vu précédemment, d'une tumeur du côlon telle qu'on peut la diagnostiquer en coloscopie. Alors, tout le problème du cancer du côlon, évidemment, vous l'avez bien compris, c'est le stade auquel on le diagnostique. J'ai insisté sur l'importance pour le patient donc, de consulter précocement son médecin généraliste en cas de symptômes digestifs durables. J'ai insisté sur l'importance et l'intérêt du dépistage qui, en France actuellement, est proposé chez les gens de plus de 50 ans par le dépistage de sang dans les selles. Un test qui s'appelle le test hémoculte, qui est gratuit, qui est adressé par la Sécurité sociale directement aux patients. Ce test permettant de cibler, en cas de positivité, les gens qui ont une probabilité plus élevée d'avoir un polype ou un cancer du côlon, afin évidemment d'améliorer la qualité du dépistage et de réduire le coût pour la société. Ces tests vont évoluer et il y a une nouvelle génération de tests dits immunologiques qui vont arriver prochainement. Alors le problème, c'est le pronostic. Plus la maladie est localisée, meilleur est le pronostic. Et ce graphique, peu importe les stades, mais retenez simplement que les stades 3 et 4 sont des tumeurs déjà avancées, puisqu'elles ont soit des métastases ganglionnaires, soit des métastases à distance, l'organe le plus fréquemment touché étant le foie. Et on s'aperçoit malheureusement encore en France, ici c'est un registre de la Côte d'Or, que près de la moitié des malades au diagnostic ont déjà une maladie avancée. Alors ça a évidemment une incidence majeure sur l'espérance de vie des gens, puisque vous pouvez voir sur ce graphique très simple, issu d'un registre américain, qu'on guérit l'immense majorité des gens qui ont une tumeur localisée par de la chirurgie et dans certaines indications de la chimiothérapie, mais que malheureusement, en cas de maladie métastatique, donc essaimée à distance, le pronostic est beaucoup plus difficile. Alors Isabelle, vous avez eu de la chimiothérapie dans votre situation parce qu'il y avait des ganglions envahis autour du côlon. Comment avez-vous vécu ce traitement? J'ai eu à peu près un mois et demi, deux mois après l'intervention chirurgicale. On a mis en place avec vous une chimiothérapie adjuvante, si mon souvenir est bon. Globalement, je l'ai bien vécu. J'ai eu sur les six mois de traitement deux cures qui ont été un petit peu compliquées à supporter, surtout plutôt en fin de traitement. De mémoire, c'était donc trois jours de traitement. Les deux premières fois, je crois, je les ai fait à l'hôpital. Et puis ensuite, vous m'avez fortement incité à être traité en HAD, en hospitalisation à domicile. Et ça s'est très bien passé. Bon, c'est vrai que j'avais la chance d'être domiciliée sur Paris, mais les traitements en HAD se font dans beaucoup de coins de France. Et c'est beaucoup plus confortable, c'est certain. J'ai pu, pendant ces périodes de chimio, retravailler, parce que j'étais en mi-temps thérapeutique. Donc la semaine où j'avais mes traitements, je travaillais que deux jours dans la semaine. Je finissais la semaine avec mes traitements et le week-end me permettait de récupérer. Et la semaine qui suivait, je travaillais normalement dans l'entreprise où j'étais salariée à l'époque. Globalement, les six mois de traitement adjuvant, je vous dis, à part une ou deux fois où ça a été un peu plus dur à supporter avec des symptômes style vomissement ou nausée un peu plus difficile, l'ensemble du traitement jusqu'à l'automne s'est bien déroulé. Pour préciser, chimiothérapie adjuvante, c'est un terme tout à fait général en cancérologie qui signifie donner un traitement
en prévention de la rechute. Autrement dit, le malade est potentiellement guéri par l'intervention chirurgicale, mais en raison de diverses données qui sont principalement des données au microscope sur la pièce opératoire, l'envahissement des ganglions autour du côlon est le principal, on va donner aux gens une chimiothérapie pour diminuer le risque de rechute. Dans le cancer du côlon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce traitement est actuellement extrêmement bien codifié et dans le monde entier, il s'agit toujours, encore en 2015, d'un traitement de 6 mois avec deux drogues, l'une intraveineuse et l'une soit en comprimé, soit par voie intraveineuse. Alors Christelle, je vais être amené à voir des patients en consultation pour la prise en charge de leur cancer. Et dans de nombreux cas, je vais réaliser de la chimiothérapie chez ces patients. Avant la réalisation de cette chimiothérapie, il y a une législation très stricte en France sur la prise en charge des patients. Et tu as un rôle clé là-dedans. Tu n'as pas eu affaire à Madame Girard, parce qu'en 2001, tu ne travaillais pas encore chez nous. Mais on se met dans ce cas de figure. Donc, je t'adresse une patiente pour cette indication, chimiothérapie adjuvante. Quel rôle différent de celui du médecin penses-tu avoir? De quoi vas-tu informer le malade pour améliorer sa prise en charge thérapeutique? Moi, par rapport à un complément plutôt de ta consultation médicale, moi, je vais avoir un moment privilégié d'écoute qui va permettre de reprendre les informations que tu as déjà données, reprendre les informations sur la maladie, le traitement, les effets secondaires attendus, que le patient va rencontrer ou pas, mais voilà, les effets secondaires attendus, et aussi les répercussions sur le quotidien par rapport de la patiente. C'est, par exemple, vous, répercussions que vous allez peut-être rencontrer. Donc, lors de cette consultation, effectivement, je fais le point de tout ça et je donne même des détails complémentaires par rapport à ce que tu as pu raconter, dire, expliquer. Je complète encore plus. Je réponds aussi aux questions du patient parce que j'interviens quelques jours après ta consultation médicale, donc le patient a eu le temps de se poser des questions, de réfléchir un peu à ce qui lui arrive. J'accompagne aussi par rapport à la maladie, c'est-à-dire faire face au diagnostic de cancer. Je fais tout un accompagnement par rapport à ça. Et j'oriente aussi beaucoup vers d'autres professionnels, comme les psychologues, diététiciennes, assistantes sociales. L'assistante sociale, surtout pour aider aussi face aux démarches administratives que le cancer peut provoquer. D'accord. Donc la chimiothérapie n'est vraiment qu'un pan de la prise en charge. Ce n'est qu'un pan. C'est quand même un temps important puisque je reprends vraiment le traitement en détail, les modalités du traitement, le fonctionnement du service pour que le patient, pour la première séance, ne se retrouve pas tout seul face à tout ça. Il a l'impression d'avoir un petit déjà-vu, puisque j'en ai déjà parlé, je lui ai expliqué comment ça allait se passer et quels sont les effets secondaires qu'il risque de rencontrer lors de l'administration de la chimiothérapie et aussi à son domicile quelques jours après. Donc effectivement, il y a un temps sur ça, mais il y a aussi toute la prise en charge globale qui est prise dans cette consultation paramédicale d'annonce. D'accord. Combien de temps habituellement dure ce type de consultation? Alors ça dépend puisque je donne vraiment un temps adapté aux patients. C'est vraiment un temps privilégié. Donc pour certains patients, ça peut être 45 minutes, une demi-heure. Pour d'autres, ça peut dépasser une heure et demie. Ça dépend s'il y a beaucoup de questions, s'il y a beaucoup d'angoisse, s'il y a un petit peu d'incompréhension par rapport au traitement que je suis en train d'expliquer. Je prends vraiment mon temps. C'est vraiment un temps complètement dédié. Je ne suis pas limitée sur le temps. D'accord. Alors, il est le plus souvent nécessaire de poser un cathéter, ce qu'on appelle dans notre jargon un porte-à-cath. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, un cathéter, c'est un type dispositif, une petite boîte reliée à un petit tuyau qu'on met sous la peau et le petit tuyau va aller dans une grosse veine, en général souvent une veine jugulaire ou sous clavière. Ce petit tuyau va être, tout cet ensemble va être sous la peau. Rien ne ressort de la peau, sauf quand le patient se met torse nu, ça va faire une boule, une grosse boule qui est sous la peau. Et c'est cette boule-là que les infirmiers vont piquer quand on va être obligé d'administrer la chimiothérapie. On va mettre une aiguille, on va traverser cette petite boule et on va administrer par cette petite boule la chimiothérapie. La chimiothérapie va passer dans le tuyau
et va être injectée dans tout le système sanguin, dans tout le corps. La chimiothérapie va traverser tout le corps et comme ça qu'on va traiter le patient. D'accord. Ah, donc, c'est évidemment un élément important du traitement. On rappelle simplement qu'on utilise ce type d'outil parce que la chimiothérapie est habituellement extrêmement toxique pour les veines du bras et qu'afin de pouvoir traiter les patients, eh bien, il est nécessaire d'avoir cette voie centrale. Elle nous dit que ce cathéter, c'est pas bien méchant. Ah non, c'est pas méchant. C'est quelque peu gênant quand même. C'est quand même un corps étranger dans l'organisme. Qu'il aime ou qu'il aime pas. J'avoue que moi, j'ai dû passer tout l'été 2001 sans décolleté parce que forcément, ça se voyait. Non, c'est gênant. Le terme exact, c'est ça. C'est gênant parce qu'on le sent, parce que ben, il prend quand même sa petite place, même s'il n'est pas très très gros. C'est, je sais pas, c'est la taille d'une pièce de 2 euros, un truc comme ça. Mais on est très soulagé quand on l'enlève. D'accord. Parce que, en fait, déjà pour le patient, ça signifie que, grosso modo, l'équipe médicale juge qu'on n'en aura plus besoin. Donc, on est plutôt parti sur le bon chemin. On se rapproche de la guérison. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, c'est vrai que c'est un soulagement. Maintenant, pour avoir eu ma première cure de chimio à l'hôpital, en intraveineuse sans le porte-à-quatre. Bon, j'ai très très vite compris qu'il était nécessaire de le poser parce que ça abîme quand même un peu toutes les petites veines que l'on a et 6 mois avec ça, ça serait pas tenu quoi. D'accord. Donc Isabelle, le traitement a duré 6 mois. Il peut y avoir des petits pépins entre les traitements. Christelle, tu nous as parlé de cette fameuse première consultation hein, qui a une importance primordiale, tout comme d'ailleurs la première consultation avec le cancérologue, qui, je te confirme, dure au minimum 1 heure en ce qui me concerne, avec des informations diverses et variées fournies et qui sortent bien du cadre de la chimiothérapie. Les patients peuvent rencontrer des problèmes au cours du suivi. Quel système mets-tu en place pour que les patients puissent résoudre ces difficultés ? Alors, le système que je mets en place, c'est déjà lors de ma première consultation, je vais donner mes coordonnées et bien expliquer aux patients que je suis complètement détachée des soins pour être là pour les accompagner. Donc, le patient peut m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Alors, bien sûr, pas le soir parce que je ne suis plus là, mais à n'importe quel moment de son traitement, il peut m'accompagner, il peut m'appeler pour que je l'accompagne et que j'essaye de trouver des solutions avec lui face aux problèmes qu'il rencontre. Déjà ça. De deux, souvent, lors des premières injections, parce que c'est souvent à ce moment-là que c'est un petit peu périlleux, le patient ne sait pas trop les effets secondaires qu'il va rencontrer, je les appelle quelques jours après l'administration de la chimiothérapie. Une fois que les patients sont rentrés à la maison, je vais les appeler à la maison pour savoir comment ça se passe et aussi un peu voir avec eux, faire le point. Donc, ils se sentent un peu soulagés parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un en permanence pour les accompagner tout au long de leur traitement. L'importance d'une prise en charge multidisciplinaire. Tout à fait. Donc ça, je crois que c'est un point absolument primordial. La prise en charge du cancer du côlon, ce n'est pas spécifique au cancer du côlon, fait vraiment appel à divers intervenants, le chirurgien, l'oncologue, l'infirmière d'annonce, évidemment le personnel soignant du service. Alors, le temps nous est un petit peu compté. Nous avons parlé de cancer du côlon localisé et de chimiothérapie adjuvante, c'est le cas d'Isabelle. Je voudrais quand même dire un petit mot du cancer du côlon métastatique, c'est le graphique qui est derrière moi, pour délivrer 2 messages. Le premier, c'est que, comme vous le voyez, l'espérance de vie des gens s'est très nettement améliorée au cours des années et qu'on peut globalement dire qu'elle a été multipliée par 4 depuis ces 15 dernières années. Malheureusement, peu de gens sont potentiellement curables une fois la maladie métastatique révélée. Il n'empêche que, peu importe les détails, nous avons tout un arsenal de drogues à notre disposition, avec notamment l'émergence de thérapies dites ciblées, qui devraient, je l'espère, se développer encore plus dans les années qui viennent, pour non pas traiter un cancer du côlon, mais le cancer du côlon de Monsieur X, avec ses spécificités biologiques. Alors, sans rentrer dans les détails, mais c'est quand même extrêmement important de le rappeler,
On va prendre en compte pour le traitement de ces patients trois critères, évidemment liés au malade. En ce qui te concerne, Isabelle, tu étais extrêmement jeune au diagnostic. Un entourage familial fort, le soin de ta maman, que j'avais vu à plusieurs reprises. Donc il n'y avait pas de problème en ce qui te concerne pour le traitement. Ça peut être extrêmement plus complexe, notamment chez les sujets âgés, qui vont avoir des problèmes, ce qu'on appelle de comorbidité, donc d'autres maladies qui peuvent nous gêner pour l'administration de la chimiothérapie. On va évidemment prendre en compte des paramètres liés à la tumeur, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais insister sur ce rôle majeur de l'essor en cancérologie, de la biologie moléculaire, qui va de plus en plus nous inciter à donner des traitements dits ciblés. Et puis, le troisième critère, ben, je dirais que c'est le critère annexe, le critère organisationnel, on y a insisté, et également, hein, même si nous sommes évidemment là pour soigner, le problème du coût, qui, le coût du cancer est extrêmement cher en France, le coût des soins également. D'ailleurs, tu ne nous as pas encore dit ton travail, Isabelle. Maintenant, je travaille à l'Institut National du Cancer. Ben voilà. Donc ça, c'est quand parce même... que j'étais obligée de me retrouver un travail. Parce que l'employeur de l'époque m'a clairement fait savoir qu'il n'avait pas prévu que je revienne. Et qu'il m'a licenciée. Ça fait partie des effets secondaires sociaux de ce type de pathologie subite et lourde. Il n'y a pas que les malades du cancer qui ont ce genre de problème. Mais c'est vrai que notre société n'est pas encore complètement au point sur... Vous faites un métier médical formidable, vous nous tirez d'affaires. Et après, la société est encore un peu embêtée avec les survivors, comme disent les Américains. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et comme je le dis, et ça sera ma conclusion finale, le cancérologue doit être un fin stratège. Hein, certes. Mais il doit prendre en compte beaucoup de paramètres qui ne sont pas uniquement liés au malade. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie Isabelle, Christelle, Nicolas qui nous a quittés. Et je vous dis à bientôt.